enfant ne peut voyager. Tant qu'il respire, aucun enfant ne peut vivre en paix. Aujourd'hui, je suis venu pour renverser les auteurs. Je suis venu pour renverser les murs. Je suis venu pour renverser les fondations. Les montagnes qui ont tapé leur poitrine. Je tape ma tête apostolique. Toute personne qui s'est tenue comme sorcier et mur dans ta famille, je déclare sa mort avant 72 heures. Je déclare sa mort avant 72 heures. Amen. Je déclare sa mort avant 72 heures. Amen. Merci Jésus. Le village est dangereux. Le village est dangereux. Le village est dangereux. Quand Israël était en captivité contre Madian, quand Israël était en captivité contre Madian, Dieu, pour détruire et libérer Israël, il a dit Gédéon, va au milieu de la ville, il y a un hôtel là-bas, va d'abord abattre l'hôtel, et quand tu vas abattre l'hôtel, abat le pilier. Le pilier c'est quoi? C'est le sorcier qui tient l'hôtel. La sorcière qui tient l'hôtel, c'est le mami Wata qui tient l'hôtel. Dieu dit pour que vous soyez libre, va d'abord abattre l'hôtel, va d'abord détruire l'hôtel. Ce soir, lis-moi ça, Juges 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends un jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'hôtel de Baal qui est à ton père et le pied sacré qui est au-dessus. Yes. Ce soir, yes, le sorcier qui tient ta famille, yeah, l'hôtel qui tient ton village, yes, et la principauté qui contrôle votre zone, je déclare la fin, yes, de leur règne au nom de Jésus. Je déclare la fin de leur règne au nom de Jésus. Je déclare la fin de leur règne au nom de Jésus. La Bible dit, yes, la Bible dit, yes, Jésus-Christ a effacé, yes, le sang de Jésus, yes, a cloué, yes, toutes les cordes, les ordonnances, et à la mention de son nom, nous sommes tous libérés. Même les captifs de droit, à la mention de son nom, ils sont libérés. Il dit, je vous ai donné la puissance, je vous ai donné le power, je vous ai donné le roulant. Allez à Bazouka, arrivez là-bas, libérez-les, détachez-les, guérissez les malades, ressuscitez les morts et libérez les prisonniers. À partir d'aujourd'hui, toute porte de prison dans laquelle tu te trouvais, je déclare la porte là ouverte. Sortir de ton village. Alors, oui, papa. Mets-toi debout. Mon frère, ma soeur, tu es venu prier pour toi. Yes. Les gens qui se comportent là, tu n'es pas. Bon, ce soir, c'est une soirée de prière. Yes. C'est une soirée de prière. Tu vas prier. Tu vas prier. Dis à ton voisin, tu vas prier. Tu vas prier, voisin. Lève ta main, dis mon père, mon père. Je renonce. Lève la main, gloire d'autorité. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Je renonce. Je renonce à toute alliance. Sur ma vie. Satanique. Depuis 4 générations. Dis depuis 4 générations. Je renonce à toute alliance qui opérait sur ma vie. Sataniquement. Toute alliance qui opère dans mon village. Qui me suit aujourd'hui. Je renonce, je me sépare de cette alliance, de mon village. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je ne vous appartiens plus. Le sang de Jésus a mis une séparation entre moi et vous. Et tout ce que je déclare, le ciel établi. À partir d'aujourd'hui, je me repens de mes péchés et des péchés de mes parents. Aujourd'hui, je proclame ma journée de délivrance, de séparation et de libération. C'est mon père, mon père. Comme je lève ma main droite, bien-aimé, prie. Prie. On a 5 requêtes de prière et on va descendre au village. On a 5 requêtes de prière. C'est mon père, mon père. Je ne t'entends pas. Dis toute alliance. Principauté qui opère dans mon village. Comme je tape les mains, je renverse ton autorité. Je renverse. Appelle le nom de ton village. Appelle le nom de ton village. Appelle le nom de ton village.
village. Prayer. Je renverse, les autorités sataniques de Boycon, d'Alada, du Bénin, du Cameroun, de Fongotoko. Je renverse toute autorité satanique qui opère dans mon village, dans ma famille, toute alliance satanique qui opère dans mon village. Hey, 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 pray, 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 toute autorité, toute autorité, toute autorité, toute autorité satanique, les Koulitos, les Koulitos, les Akwetos, les Mamiwata, les Dangwe, qui contrôle le village, qui contrôle le village, lâche, lâche, brave, brave, tu ne pries pas, tu ne pries pas, table mépris, table mépris, table mépris, table mépris, table mépris, tu dois sortir, ne te fatigue pas, tu ne fatigue pas, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas, oui.
Au nom de Jésus. Lève ta main de ton terre. Bien-aimé, pendant, attendez, pendant que tu pries, sois concentré. Visualise dans ton esprit comment tu te sépares de ton village. Visualise dans ton esprit comment les hôtels. Il faut voir pendant que tu pries. Tu pries comme ça, mais tu es concentré. Tu vois comment ça se brûle. Tu vois comment tu te sépares. Tu vois comment l'alliance elle est déchirée. Il ne faut pas seulement prier. Il faut voir dans ton esprit pendant que tu pries. Alléluia. Lève ta main. Dis, mon père. Je ne t'entends pas. Mon père. Tout contrat. Toute alliance. De pauvreté. De célibat. De mort. De maladie. De rejet. D'humiliation. Dans ma vie. De mon village. Comme je tape les mains. Je déchire ce contrat. Déchiré, j'annule, je révoque, j'efface, je déchire, 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 j'annule, je révoque, j'efface, je déchire. Le feu. Regarde, ça se déchire. Ça te libère. Déchire. Le feu sur ta tête, sur tes pieds, sur les couvents, ça te libère, sur les contrats. Le feu sur les contrats sataniques, le feu sur les alliances, le sang de Jésus, ça se déchire. Hey, Michael Bush.
Les contrats se déchirent. Le célibat est déchiré. La sorcellerie est déchirée. 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 Je révoque. Ça se brûle.
brûle, ça se 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 brûle. Maternel, paternel, belle famille, maternel, paternel, belle famille, maternel, paternel, belle famille, maternel, paternel. Brûlez-vous, brûlez-vous. Je mets le feu, 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 je mets le feu. Au nom de Jésus, lève ta main vers l'autorité. Dis mon père, mon père, comme je tape ma main sur le sol trois fois, je commande tout hôtel satanique de malchance, de mort, de pauvreté, de limitation, comme je tape le sol trois fois, prends feu là-bas, prends feu là-bas, prends feu là-bas. Ça se brûle, ça se brûle, ça se brûle. Au village, 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 au village. Ça se brûle, ça se brûle. Au nom de lève-toi, lève-toi comme un lion, lève-toi comme un lion, lève ta main droite. Mon frère prie, le village est dangereux, le village est dangereux. Mon frère prie, dis mon père, mon père, tout mur que l'ennemi a élevé par un membre de la famille au nom de la sorcellerie pour nous détruire, pour nous bloquer, pour nous empêcher. Comme je tape les mains, dis tout sorcier de ma famille, comme je tape les mains, dans 7 jours, si tu ne te repens pas, tombe les mains, tombe les mains, je coupe ta tête, je coupe ta tête, je coupe ta tête. Tape les mains, prie au nom de Jésus. Tout sorcier, tout sorcier, tout sorcier, je t'appelle ici, 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 au village, au quartier, au bureau, au village, au quartier, au bureau, je t'appelle ici, je t'appelle ici, je t'appelle ici, je t'appelle ici, tout sorcier, tout sorcier. Prie, 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 prie. Drop it.
des sorciers. Tu as pitié des sorciers. Tu as pitié des sorciers. Tu as pitié des sorciers. Bien-aimé, bien-aimé, exécute-le, exécute-le, exécute-le. Dans la famille maternelle, dans la famille paternelle, dans la belle famille, dans la belle famille, dans la famille maternelle, dans la famille paternelle, exécute-le, exécute-le. Pray, 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 pray. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Ce soir. Ce soir. Père. Je sors de ce village. 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 Si je pose une demande. Je pose une demande. Sur le sang de Jésus. Sur le sang de Jésus. À l'entrée. À l'entrée. De mon village. De mon village. Et je commande. Et je commande. Tout mur. Tout mur. Que je n'arrivais pas à grimper. Que je n'arrivais pas à grimper. Que le mur là soit aplani maintenant. Tous ces pans qui entouraient la maison de mon père, je commande que ce serpent soit découpé maintenant. Oh Dieu, comme je lève la main, je commande que le feu de délivrance me fasse sortir du village par le sang de Jésus. Aucune main n'a plus le droit de m'arrêter. Libération. Dis ange de Dieu, je sors. Dis esprit de Dieu, je sors. Dis fait de Dieu, je sors. Je sors avec tous mes biens, avec tout mon argent, avec ma santé, avec mes bébés, avec mon travail, avec mon mariage, avec ma carrière, avec mon intelligence, avec mon étoile. Je sors. Je sors de ce village. Je sors. Tape les mains et prie au nom de Jésus. Les gens vont commencer à sortir. 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 Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Vos mariages sont libérés. Vos travails sont libérés. Vos finances sont libérées. Vos emplois sont libérés. Vos bébés sont libérés. Vos bébés sont libérés. Vos étoiles sont libérées. Vos intelligences sont libérées. Voilà ça. 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 Aidez-le, aidez-le, aidez-le. Yes. Et mais tu parles au courant. Et mais les bouches.
Ils sont libérés. Les étoiles, les mariages, les destinées, la santé, la carrière. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Le Seigneur me dit, avant que je ne prie, il y a 30 personnes ici. On vous a bloqué au village depuis longtemps. Le Seigneur me dit, avant que je ne prie, les 30 personnes seront libérées de leur village. Ange de Dieu, ces 30 personnes, leurs cas sont urgents, leurs cas sont urgents. Toute personne qu'on a attaché, son éducation au village, son travail au village, son mariage au village, sa santé au village, sa destinée au village. Ange de Dieu, je commande que les 30 personnes soient libérées. Comme je compte de 1 à 7, l'onction va vous toucher et vous allez sortir. Ange de Dieu, leurs cas sont urgents. De 1 à 7, amène-moi les 30 personnes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez. Lève la main. Il y a 30 personnes. On vous a attaché au village depuis des années. Je commande maintenant que le village te vomisse. 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 Je renverse les murs. Je renverse les barrières. Je mets les ponts sur les rivières, sur les océans. Je t'arrache. 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 Sors, sors, ils sont 30, ils sont 30, hey, ils sont 30, ils sont 30. Pourquoi vous êtes distrait? Bouge, mais bouge, bouge. Je sors, 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 je sors. Ça te libère, ça te vomit, 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 ça te vomit. Le village te libère. Sors de ce village. Lève tes deux mains. Attrape la main de quelqu'un. Mets mon saxophone. On va le. Viens ici, viens ici, viens ici. Attrape la main de quelqu'un. Lève ça. Pendant que tu lèves ça, dis j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Tiens la main de quelqu'un devant toi. C'est une prière d'accord. Lève ça. Dis en tant qu'église. Lève la main là bien haut. Même ici, les rangées, tenez vos mains. Je vais pas, tenez vos mains dans les rangées, dans les couloirs. Tenez vos mains dans les couloirs. Le Dieu va passer, l'ange de Dieu va traverser ici maintenant. Amen. Les gens seront libérés des villages. Amen. Le village va libérer ta destinée. Amen. Le village va libérer ton mariage. Amen. Le village va libérer ton travail. Amen. Le village va libérer ta santé. Amen. Le village va libérer tes enfants. Amen. Tu ne vas plus jamais te voir à l'école primaire. Amen. Jamais dans l'eau. Amen. Jamais dans la maison de ton père. Amen. Jamais avec les gens qui sont morts. Amen. Tu ne vas plus jamais voir les morts. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dis, j'appelle le sang de Jésus. Yeah. Le sang de Jésus. J'appelle le sang de Jésus. J'appelle le sang de Jésus. Et le feu du Saint-Esprit. Et le feu du Saint-Esprit. Lève la main là. Ah. Pendant que le saxophone va jouer, l'ange de Dieu va traverser au milieu de la salle et va libérer les destinées des gens et va ramasser ce qu'ils ont volé depuis des centaines d'années et ça va revenir sur toi. Amen. Lève les mains là bien haut.
L'heure de la délivrance. L'heure de la délivrance. Je commande tous les esprits de village. Les coulitons, les dangbetons, les dangbés, les sépars, les vipères, les panthères, les fétiches, les esprits, les vaudous, la sorcellerie, les démons, les esprits de mort, de pauvreté. Maintenant, 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 de devant à derrière, 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 de devant à derrière. Soyez libérés, 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 soyez libérés. Je te détache, 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 by fire, 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 sur ta tête, sur ta tête, sur tes pieds, sur ta tête, sur tes pieds, sur ta tête, aide-la, 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 sur ta tête, sur tes pieds, sur ta tête, sur tes pieds, sur ta tête, sur tes pieds, je mets, allume-la, allume ça, sur ta tête, sur tes pieds, sur ta tête, sur tes pieds, là où tu es, viens en courant, viens ici en courant, viens ici en courant, je t'appelle, lâche, 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 lâche. Ça se brûle. Les chaînes de ton village se brûlent. 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 Lève les mains là. Dis Père. En tant qu'église. En tant qu'église. Nous commandons. Nous commandons. Toute prison. Toute prison. De village. De village. Ouverte. Ouverte. Toute prison. Toute prison. De village. De village. Ouverte. Ouverte. Lève les deux mains. Dis Père. Je commande. Je commande. Attrape la main de quelqu'un. On prie en tant qu'église. C'est une prière d'accord. Attrape la main, lève ça haut.
qu'église, en tant qu'église, nous commandons que tout village associé, associé à une destinée, à une destinée, en ce lieu, en ce lieu, ou par Power TV, ou par Power TV, nous commandons que cette chaîne, soit brisée, que cette chaîne, soit brisée, Chante avec moi, si c'est la mort. Si c'est la colo, qui soit colo. Si c'est la première, qui soit bébé. Tout ce que je veux, c'est la victoire. 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 Je veux, Holy Ghost. Si c'est la mort, si c'est la colo, et si c'est la colo, tout ce que je veux, 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 la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, Holy Ghost, fire, fire, consume them, consume them, consume them. De village, de village, sur une destinée, sur une destinée, en ce lieu, en ce lieu, connecté, connecté, ou associé, toute chaîne, de village, sur ce ministère, sur le Bénin. Le Bénin, nous commandons que cette chaîne soit brisée maintenant, soit détachée, tombe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais comme moi, je reçois, reviens. Fais encore, je reçois. Je reçois. Reviens. Maintenant pas. Dis je reçois. Je reçois. Recevez. La libération. La libération. Du ciel travaillé. Du ciel travaillé. Les huissiers, travaillez. Voilà ça. C'est détaché. De ta destinée, de ton travail. C'est détaché. Voilà ça. Voilà ça. Je détache les chaînes du village. Sois détaché. Sois détaché de ce village. Lève ta main vers l'autorité. Yes. Fais, hey! Hey! Crie
crie jusqu'à ton village. Hey! Hey! Encore. Hey! 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 Le village te libère. Le village te libère. Le village te libère. Le village te libère. Le village, j'ordonne ta libération. J'ordonne ta libération. J'ordonne ta libération. J'ordonne ta libération. Il y a plus de 1500 personnes ici maintenant. La bénédiction que le village avait avalée, la bénédiction là revient sur toi maintenant. Amen. Il y a plein de personnes, le village a avalé votre bénédiction. Tout ce que le village a avalé, lève tes deux mains. Tout ce que tu cherches, tu ne trouves pas. Qui est dans la main de ton village. Je commande à ton village de te restituer ça. Maintenant. Je commande à ton village de te restituer ça. Amen. Il y a 50 femmes ici. Vous n'arrivez pas à voir les bébés parce qu'on a bloqué vos bébés au village. Vos bébés sont libérés maintenant. Amen. Vos bébés sont libérés maintenant. Amen. Ange de Dieu, dépose 50 bébés sur 50 femmes ici. Là où vous êtes assis, là où vous êtes placé, je dépose les jumeaux. Les jumeaux sur vous. Ange de Dieu, de 1 à 7, que les 50 femmes reçoivent les 50 bébés. Amen. Un, voilà ça. Deux, ici il y a 50 bébés. Il y a 50 femmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez, 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 recevez. 3, 3, recevez, 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 recevez. Elles sont 50. Elles sont 50. Leurs ventres sont ouverts. 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 Voilà ça. Reçois tes jumeaux. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça coule. Lève tes deux mains. Dis toute bénédiction. Toute bénédiction. Que le village a avalé. Que le village a avalé. Avant 72 heures. Avant 72 heures. Je commande. Je commande. Le retour. Le retour. De cette bénédiction. De cette bénédiction. Dans mon village. Dans mon village. Dans ma famille. Dans ma famille. Et dans ma vie. Dans ma vie. Prie avec autorité. Dis avant 72 heures. Avant 72 heures. Je commande. Je commande. Le retour. Le retour. De cette bénédiction. De cette bénédiction. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans mon village. Dans mon village. Et dans ma vie. Et dans ma vie. Lève les mains. Le Seigneur va restituer les bénédictions des familles. Amen. Certaines personnes, vos mains vont commencer à trembler. Yes. Quand la bénédiction va venir sur vos mains vont commencer à trembler. Ah. Partout dans la salle, les mains vont trembler. Yeah. Vous ne pourrez pas contenir vos mains. Ah.
Ange de Dieu, de 1 à 3, que la bénédiction revienne, que ça revienne, que ça revienne, que ça revienne, que ça revienne. 1, 2, maintenant, 3, reçois ça. Voilà ça. Récupère. Ce qu'ils ont volé, c'est restauré. Je restitue, je restaure, je remplace. Je restitue, je restaure, je remplace. Reçois power. Le retour de la bénédiction familiale. Le retour de la bénédiction familiale. Le retour de la bénédiction familiale. Ça brûle. Aidez-la ici. Oui. Tout ce qu'on a mis dans ton corps comme dépôt satanique, pendant que la bénédiction vient, je commande que les dépôts sataniques la sortent. Je commande que ça sort. Même toi qu'on a initié dans la sorcellerie au village, vomis la sorcellerie là, vomis le poison, vomis ça, vomis les envoûtements, vomis les nourritures de nuit, vomis ça. Out! Ici. Maintenant. Yes. Le Seigneur me parle d'un sujet un peu délicat. Lève les deux mains. Le Seigneur me dit qu'il y a des gens ici que les esprits de sorcellerie des villages dérangent tellement. Même dormir ne dorment pas. D'autres personnes que les esprits de sorcellerie des villages ont initié dans la sorcellerie sans qu'ils ne soient au courant. Je commande à tout esprit de sorcellerie, lève-toi et commence à courir. Lève-toi et commence à courir. Tout esprit de sorcellerie d'un village. Kayabala katakata, yabrata. Chapala, esprit de sorcellerie, commencez à courir, clouer comme un lâche, commencez à courir,
Je mets le feu sur vos pieds. 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 Lève tes deux mains. Je proclame et je prophétise. Je reçois. Tout ce que ton village a volé sur ta destinée, je déclare ça restauré. Amen. Toute prison dans laquelle tu étais dans ton village, je commande la prison ouverte. Amen. Je commande la prison ouverte. Amen. Je commande la prison ouverte. Amen. Toutes les rivières où tu nageais, ça ne finit pas. Toutes les murs que tu grimpais, tu ne finissais pas. Les collines où tu grimpais dans les rêves, c'est terminé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les rêves que tu faisais, tu te voyais avec les morts, les membres de ta famille, avec tes frères, dans la maison familiale, à l'école primaire, c'est terminé au nom de Jésus de Nazareth. Tous les rêves que tu faisais, tu te voyais en train de voler la nuit, en train de nager dans l'eau, c'est terminé au nom de Jésus de Nazareth. Tous les rêves que tu faisais, on te donnait la nourriture, on venait coucher avec toi, c'est terminé au nom de Jésus de Nazareth. Je te proclame libéré de ton village. Amen. Je te proclame libéré de ton village. Amen. Je te proclame libéré de ton village. Amen. Pousse un coin, cri de joie. Je déclare cette maladie terminée. Amen. Toute personne qui était malade, qui n'entendait pas par le village, je déclare tes oreilles ouvertes. Amen. Toi qui ne voyais pas, je commande tes yeux ouverts. Amen. Toi qui avais un serpent qui marchait dans ton corps, le serpent est mort. Amen. Toi qui avais le diabète, le sida, l'hépatite, quelques maladies héréditaires, je déclare ça terminé au nom de Jésus. Amen. Je déclare ça terminé au nom de Jésus. Amen. Je déclare ça terminé au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Je reçois. Que des miracles se produisent maintenant. Amen. Toute personne qui ne marchait pas, attaquée par un esprit, je commande tes pieds détachés. Maintenant. Toute personne qui avait une douleur au dos, au cou, je commande la douleur à terminer. Maintenant. Toute personne qui avait les kystes, les fibromes, les myomes, je commande que ça disparaisse. Maintenant. Toute personne ici qui avait l'hernie ombilicale, hernie discale, hernie lombaire, je déclare ça terminé maintenant. Amen. Toute masse dans ton cou, dans ta gorge, dans ton nez, dans ton oreille, ça disparaît. Amen. Toute malformation testiculaire, toute malformation mammaire, je déclare ça terminé. Amen. Je reçois.
Je reçois. Tu es libéré. Amen. Dieu vient de faire plusieurs miracles ici. Dieu vient de faire plusieurs. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Amen. Jésus. Amen. Merci Jésus. Les pasteurs, prenez le micro. Chut. Dieu vient de faire plusieurs miracles ici. Alléluia. Chut. Alléluia. Ne t'assois pas encore. Ne t'assois pas. Examine-toi. Si tu es venu avec une maladie ici, Dieu a libéré toutes les maladies qu'on t'a envoyées là, c'est parti maintenant. Je veux sept personnes. Je vais poser mes mains sur les sept personnes rapidement. Si Dieu t'a guéri, si tu avais une maladie, viens ici en courant. Viens ici devant. Sors en courant. Il y a plein de maladies qui se sont envolées. Oui, viens ici. Venez ici devant moi. Venez ici. Si Dieu t'a. Si Dieu t'a guéri, viens ici. Même vous ici, examinez-vous. Vous qui le Seigneur a touché, examinez-vous. Si tu avais un problème, va là-bas. Si tu avais un problème, il y a plus de 20 personnes, mais je veux 7 personnes seulement. Il y aura plus de maladies qui vont te poursuivre après aujourd'hui. Il y a quelqu'un que tu ne voyais pas, tes yeux sont ouverts clairement maintenant. Tu peux voir, c'est un envoûtement. Tu peux voir clairement. Il y a quelqu'un ici là, tu avais une boule au niveau de ton dos. La boule a disparu de ton dos. Il y a une autre personne, tu avais le nez sciatique. Le nez sciatique est guéri complètement. Il y a une autre personne, ton oreille gauche était bouchée. L'oreille là vient de s'ouvrir. Rapidement, je vais les sept personnes ici, je vais les toucher. Si Dieu t'a guéri, acclame Jésus maintenant pendant que tu t'assois. Je veux la première personne s'entraîner, c'est comme ça qu'on fait. Lancez le mouvement. Papa de papa. Oui. Papa, votre Dieu vient d'opérer un miracle. Le frère que voici avait depuis un mois la sténocoronose. Papa, ça lui donnait les maux de tête atroces. Tout à l'heure même, était ici à l'église, il ne pouvait pas respirer, il ne pouvait pas avoir la paix. Vous avez relâché l'onction de guérison. Papa, les maux de tête ont disparu complètement. C'est parti complètement. Oui, papa. Tu ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas respirer. Toute ma tête, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Oui, l'athérosclérose cérébrale. Le sang ne passe pas bien sur ma tête. Le sang ne passe pas bien sur ta tête. Oui, oui. Et quand on priait maintenant, l'onction m'a pris et puis j'ai senti une fraîcheur. Du coup, ça, ça s'est arrêté complètement. Si. C'est un envoûtement de ton village. C'est terminé au nom de Jésus. Viens ici devant. Si tu ne peux pas acclamer Jésus. Oui. Daddy, la maman que voici a quitté le Cameroun avait un mal au niveau de sa côte. Lorsque vous avez prié tout à l'heure, le mal a disparu et elle est sortie de son village. Touche ta côte. Ça a disparu complètement. La douleur que tu as voyagé pour ça, oui, ça a disparu. Aide-moi à clamer Jésus de Nazareth. Daddy, mal à la hanche depuis 7 ans. Elle est entrée ici, il y avait la douleur. Dès que vous avez prié, la douleur a complètement disparu. Acclame elle peut Jésus maintenant de... s'abaisser, elle peut se lever. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Daddy, ce monsieur que voici, il dit, ça fait pratiquement 6 mois, il avait une douleur sur son pied gauche, il n'arrivait pas à marcher. Mais tout à l'heure, après le relâchement, il dit, il peut marcher, papa. Tu peux marcher, depuis combien de temps? Je marche bien maintenant. Depuis combien de temps tu ne pouvais pas marcher? Ça fait près d'un an. Un an? Mais oui. Que tu as cette douleur? Oui, ça me fait mal tellement. Tu peux marcher maintenant? Je marche bien. Marche. Cours. Regardez quelqu'un qui boitait en arrivant ici. Aide-moi à acclamer Jésus de Nazareth. Acclame Jésus avec la vie. Daddy, le frère que voici depuis 21 ans a l'hémorroïde interne et externe. Lorsque vous avez prié tout à l'heure, l'hémorroïde interne et externe est rentrée et la douleur a complètement disparu. Tu avais l'hémorroïde interne et externe. Oui. C'était dehors. Oui. Quand on a prié maintenant, c'est parti, c'est rentré dedans. Oui. Tu peux t'asseoir. Assois-toi maintenant. Lève-toi. Lève-toi. Assieds-toi encore. Voilà, c'est rentré dedans. Est-ce que tu ne peux pas acclamer Jésus de Nazareth? Yes. Daddy. Cette maman que voici a été victime d'une morsure de serpent la semaine passée. Et c'est comme si c'était un ver qui marchait dans son corps. Quand vous avez libéré la puissance de la guérison ce soir, elle a été immédiatement guérie et peut faire mouvement de son pied. Attends, le serpent t'a piqué. Un rêve. Oui. Tu t'es levé. Oui. Le pied a commencé à faire mal. Oui. Tu ne pouvais plus marcher avec. Oui. Et ça marchait. Ça marche même sur moi, même dans mes pieds. Quand on priait maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien senti. C'est-à-dire, je sens que mon pied est léger. Ton pied est parti. Donc, c'est sorti. Maman, cours maintenant. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aide-moi à acclamer Jésus de Nazareth.
Dati de Nadi. Dose. Dati. La jeune dame que voici, son village a décidé qu'elle ne peut pas enfanter. Et dès qu'elle a eu l'enfant, elle dit qu'elle a eu un mal de colonne vertébrale, elle a fait la radio. La radiographie, on n'a pas trouvé la solution. Mais dès que vous avez prié tout à l'heure, elle dit que le mal de dos a complètement disparu. Fais comme ça. Ça quittait la nuque pour le bassin. Jusqu'en bas, ça a disparu complètement. Complètement. Hein? Ça ne fait plus mal, ça me faisait mal. Mais quand vous avez prié, j'ai attendu la chaleur. Ça a quitté ici jusque là et ça ne me fait plus mal. Ça ne te fait plus mal. Acclame Jésus de Nazareth. Ah. Daddy, daddy, papa, depuis ce matin, le frère-ci a remarqué que l'hémorroïde était sortie. Il ne pouvait plus s'asseoir depuis le matin. Tout à l'heure, vous avez relâché l'onction de guérison. L'hémorroïde a disparu. Attends, l'hémorroïde est sorti aujourd'hui. C'est sorti aujourd'hui matin. Ce matin, oui. Tu ne pouvais pas t'asseoir tout même à l'heure. Pas conduire moto même. Tu ne pouvais même pas conduire moto. Je suis venu ici avec moto. Quand je priais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est parti légèrement. Et l'hémorroïde a fui, c'est rentré dedans. Oui. Assieds-toi maintenant. Aide-moi à acclamer le Dieu que nous acclame servons. Acclame Jésus de Nazareth. Félicitations. Papa les papas. David et Daddy, ce monsieur que voici, il dit depuis 2 mois, il ressentait de fortes brûlures au niveau de sa poitrine. Il est parti à l'hôpital, on l'a prescrit des médicaments, il a bu sanguin de cause. Mais tout à l'heure, après le relâchement épicaïtique, il dit la brûlure a disparu complètement. Acclame Jésus de Nazareth. Amen. Dosé. Il y a quelqu'un ici qui n'entendait pas. Tes oreilles sont ouvertes. Où est la personne? Tu n'entendais pas. Maintenant que je parle, tu peux m'entendre. Parle avec la vie interprète. Tu n'entendais pas. Maintenant que je parle, tu peux m'entendre. Papa, depuis 3 jours, la soeur que voici avait les maux de côte. Papa, tout à l'heure, vous avez relâché l'onction. Le mal a disparu complètement et elle peut faire tout genre de mouvement. Tu avais quel problème? Depuis hier, je sentais mes côtes qui me faisaient mal. Donc j'ai une maman qui venait ici. Je l'ai appelée. Elle a dit si elle vient aujourd'hui, elle va prier et m'acheter l'huile auto. Mais aujourd'hui matin, ça n'allait pas. Donc je suis allée chez elle. Elle m'a donné l'eau auto. J'ai bu 5 minutes, je me sentais bien. Je vomissais. Et je l'ai dit, aujourd'hui là, je vais venir avec mes enfants. Et on est venu. À l'instant, vous étiez en train de prier, je n'ai plus senti rien. Tout a disparu. Hey. Tu as pris l'auto, tu as commencé à vomir. Acclame pour l'eau des partenaires. Daddy de Daddy, tu peux... papa de papa, l'enfant que voici, à l'âge de 3 ans, elle parlait correctement et bien. Dès qu'elle a eu 3 ans, elle a arrêté de parler. Elle est venue ici avec sa maman, aujourd'hui elle a 9 ans. Donc depuis 6 ans, elle n'arrive pas à parler. Elle ne peut même pas répondre. La maman dit, dès que vous avez commencé la prière, elle a appelé le nom de son enfant, son enfant a répondu. Elle a demandé à l'enfant de dire papa, l'enfant a dit papa. Elle a demandé à l'enfant, comment tu t'appelles, l'enfant a dit son nom. Oh, maintenant l'enfant peut parler. Depuis 6 ans. Depuis 6 ans, maintenant l'enfant peut parler. Maman, José, c'est ton enfant. À 3 ans, elle a arrêté de parler. Hein? Oui. Elle ne parlait plus. Depuis 6 ans. Comme prier maintenant. Elle a ouvert sa bouche. Ça va. Parle. Ça va. Dis. Do fongue, do papa. Do papa. Papa. Do papa. Papa. Chut. Papa. Papa. Wow. Est-ce que tu ne peux pas célébrer? Nyanoni. Nyanoni. Nkotoenoni. Hein? Pauline. Est-ce que tu ne peux pas acclamer Jésus de Nazareth? Acclame Jésus. Regardez, ma maman est dépassée. Depuis 6 ans. Le village est là qui a menacé ton enfant. Hey. Hey. Olé. 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 Acclame Jésus de Nazareth. Laissez-la. Acclame Jésus de Nazareth. Papa de papa. Papa, depuis 1 an, la dame que voici avait le mal du cœur. Papa, tout
tout à l'heure, quand elle était assise, la tête lui faisait mal. Vous avez relâché l'onction de guérison. Le mal a disparu complètement. Elle ne sent plus aucun mot de tête. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Célèbre Jésus. Toute personne qui est venue ici avec les béquilles, lève tes béquilles. Toute personne qui est venue ici avec les béquilles, lève tes béquilles. Lève tes béquilles. Si tu as une béquille, lève ça. Je commande que le village libère tes pieds. Et j'ordonne que tu marches au nom de Jésus. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Marche et viens vers moi. Venez ici. Je vais initier intelligent. Maman, c'est au lieu d'applaudir le travail. Quitte devant la maman, la maman, c'est tu la laisses marcher. Si quelqu'un ne marche pas, laissez-le s'asseoir. Je ne veux pas les gens qui boitent. Je veux les gens qui marchent. Pasteur Franck, je veux les gens qui m'en veulent pas les gens qui boivent. Faites-le avancer ici. Acclame le roi des rois. Qu'est-ce qu'elle a? Oui, elle souffre, elle souffrait de la tension artérielle depuis 4 mois. Elle souffrait de quoi? De la tension artérielle. Donc elle n'arrivait même pas à marcher, elle a été portée par son voisin jusqu'à l'église. Laisse-la. Et dès que vous avez relâché l'onction de la guérison, elle a été touchée et immédiatement elle a commencé à marcher. Elle est venue coucher. Elle est venue coucher. Tu étais couché. Aujourd'hui même. J'ai arrivé aujourd'hui. Marche, on va voir maintenant. Ils ont rigolé, dis bon. Marche. Ils ont rigolé. Ah, c'est elle qui l'a amenée. C'est toi qui l'as porté ici. Oui. Daddy de Daddy. Oui. La maman que voici est arrivée ici, son fils la portait. Depuis une semaine, elle ne pouvait plus marcher. Quand vous avez prié tout à l'heure, maman s'est levée, elle a commencé à marcher. Maman Chité. Dis-on-y. Maman, on l'a porté. On l'a porté, marche. C'est toi qui l'as porté. Oui, papa. Mais non, Miko, son fils, elle ne marchait pas. C'est toi qui l'as porté. Oui. Mais on ouvre bien ta vue. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps il ne marche pas? 8 jours. Maman, quoi, mi? Maman, papa. À moi. Maman, quoi, papa. Quoi, papa. Mais tu t'es gagné. Quoi, papa. Quoi, papa. Ça. Power. Soulevez-la, il y a quelque chose dans son ventre. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Laissez-la. Maman, disons-lui. 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 Papa, c'était sa chaise. Daddy, par ici. Soulevez sa chaise, non? C'était la chaise. Portez la chaise, maman, start. Fais même pas là-bas. Va, on l'a amené. Va, non? Oui, papa. Tu ne connais pas le travail. Ainsi qu'on l'a amené. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Bien aimé, célèbre Jésus. Acclame Jésus. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Tu es là. Yes. Si tu ne peux pas acclamer, c'est Jésus. Je vais vraiment m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Si tu ne peux pas acclamer, Jésus de Nazareth. Tu peux faire mieux. Tu es là. Je déclare aujourd'hui, tu sors de ton village au nom de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, ce qui te retenait au village ne va plus jamais te revoir. Est-ce que tu peux acclamer encore ce Jésus que nous sommes? Waouh, waouh, waouh. Le temps est avancé. Alléluia. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Maman, auto, prie pour les témoignages là rapidement. Venez ici devant moi, je vais vous détacher du village définitivement. Travaillez en symbiose. Il y a trop de bruit. Mon témoignage est permanent. Tu dois avoir un maestro. Tout le monde va tirer le son en même temps.
Alléluia. Comme je vous libère, toute personne qui était dans une prison de village, la personne est également libérée. Levez les deux mains. Dis Père, à partir d'aujourd'hui, c'est la fin de l'autorité de mon village sur ma destinée. Je suis libre. Fais comme moi, je reçois. Dormez. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis Drepano. Lorsque je viens d'arriver là, ça me faisait mal. Mais maintenant, je vois que c'est parti. La douleur est partie. La crise de dépendance est terminée. C'est parti complètement. Oui. Cours maintenant. Hey. Acclame Jésus de Nazareth. Amen. Dosez. Bien-aimé, le travail n'est pas fini aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de travail. Surtout en ce qui concerne le village. Ce soir, je n'ai qu'à attaquer les prisons. Demain, je vais imposer mes mains sur tous les partenaires pour restaurer la bénédiction que le village a volée. Demain soir, nous avons réunion des partenaires de Power TV. Alléluia. Je vais poser ma main sur tous les partenaires demain et je vais restaurer ce que le village a volé. Ce que personne n'a jamais été aidé dans ta famille, tu vas devenir ça au nom de Jésus de Nazareth. Rapidement maintenant, lève ton offrande et nous allons prier. Du vendredi 30 au dimanche 2 octobre 2022, à la cathédrale Otto et sous la supervision de l'apôtre Thomas Church de Jésus, vivez un moment inconcevable de transcendance sous le thème « Je sors de mon village pour ne plus jamais y retourner ». Oh Dieu! Oh Dieu! Toute porte! Où ils m'ont enfermé! À cause de l'héritage satanique! Dans mon village! Vomis-moi! Lâche! Ouvre-toi! Dis portail ancestral! Dis gardien ancestral! Dis verrou ancestral! Alliance ancestrale. En vue de réussir, les hommes à travers les âges ont opté pour des méthodes macabres qui aujourd'hui engouffrent ton épanouissement et téléguident ta destinée depuis ta naissance. Il y a des souffrances avec lesquelles ta famille marche depuis le village, infligées par Satan en personne. Yes. C'est un problème de mari de nuit, dans la nuit. Tu vois quelqu'un qui vient avoir les rapports sexuels avec toi. Un esprit. La deuxième chose que je vois, il y a quelqu'un... Le samedi 1er octobre 2022, le conseil apostolique des églises Otto organise de façon inédite la réunion des partenaires de Power TV. C'est Madame Agba, je suis enseignante. La classe de première, c'est une classe d'examen. Donc ils ont composé et depuis... Le samedi 1er octobre 2022, le conseil apostolique des églises Otto organise de façon inédite la réunion des partenaires de Power TV. C'est Madame Agba, je suis enseignante. La classe de première, c'est une classe d'examen. Donc ils ont composé et depuis lors, pour qu'on te convoque à la correction, certaines affaires, il faut connaître les gens. Donc, je n'ai pas eu cette chance. Et comme... Alléluia. Avance rapidement. Tu peux donner
non, non, écoutez-moi, c'est pas tout le monde. Si tu veux donner au minimum un sac ou deux sacs de ciment ou trois sacs, un sac de ciment coûte 5000 francs. Alléluia. Comme je te touche avec cette huile, avant 20. Témoignage. Si Dieu a fait quelque chose pour toi, lève-toi et va donner ton témoignage ici. Alléluia. Si tu as un témoignage, lève-toi et va donner ton témoignage. Avant aujourd'hui, lève la main. Si tu as un témoignage, Dieu a fait quelque chose pour toi. Lève la main. Si Dieu a fait quelque chose, lève la main. Viens. Viens aussi. Viens. Si Dieu a fait quelque chose pour toi, venez. Commencez à prendre. Venez. Oto, Oto. Oto, Oto. Oto, Oto. Jésus Mitolo. Jésus Mitolo. Jésus Mitolo. Ma ouwe wa ndo kolmi bando na wa ma khamime. No vichele. Ndo adogo. Pa ebiyo mi ekografi. Pa den yo, ebo vio ha. Pa en eblo, de semen pita. Eleva do ma wa devo ba den wa yu. Mwa fi sen sen 18 de wa yo. Den wa yo, ewa mo vio. Bando ma wa do kwen ma uche. Acclame Jésus bien-aimé, acclame le roi des rois. Papa, la sœur que voici était enceinte de 2 mois. Elle a été à l'hôpital, elle a fait l'échographie et les médecins n'ont rien trouvé dans son ventre. La grossesse avait disparu. Elle était allée le 11. Le 18, elle est venue ici. Vous avez prié, vous avez déclaré que tout ce que l'ennemi a volé de quelqu'un ici, que la personne reçoive cela. Elle est repartie à l'hôpital le 25. Elle a fait l'échographie qui révèle que la grossesse est bien là. La grossesse a réapparu, papa. La grossesse qui avait disparu, oui, papa, a réapparu. Oui, papa. C'est comme ça que tu acclames Jésus de Nazareth. Je crois que j'avais prié pour cette femme ici. Si je... Laissez-moi voir son visage. Laisse-la partir. Félicitations. Oui. Amen. Papa, la sœur que voici était à la recherche d'un bébé depuis 2 ans. Elle a tout fait sans solution. Elle est venue ici au cours d'un culte et quand quelqu'un était en train de témoigner qu'elle a reçu des jumeaux, elle a pris une offrande de connexion, elle est venue déposer sur l'autel. 1 mois après, elle est tombée enceinte. Actuellement, elle a une grossesse de 3 mois, papa. Depuis 2 ans que tu cherchais, oui, papa. Mets le micro.
Depuis 2 ans, tu cherchais bébé. Oui. J'ai prié ici, tu t'es connecté. Oui. Et tu es parti, tu es enceinte de 3 mois. Oui. Et c'est comme ça que tu acclames Jésus de Nazareth. Toi qui es venu ici chercher un enfant, tu quittes ici avec ton bébé ce soir au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus bien-aimé. Papa, la soeur que voici était en train de saigner. Elle a saigné pendant 10 mois. Elle a tout fait pour arrêter le saignement. Ça n'avait pas marché. Elle a suivi la croisade de la Côte d'Ivoire à la télévision. Quand vous étiez en train de déclarer, elle a touché la télé, elle a dit « Je reçois ». Le lendemain, le saignement s'est arrêté. Il s'est fait qu'elle était à la recherche d'un enfant depuis 1 an. 1 mois après que le saignement s'est arrêté, elle est tombée enceinte. Actuellement, elle a une grossesse de 2 mois, papa. Elle a une grossesse de 2 mois. Oui, papa. Mets le micro. Tu saignais depuis 3 mois. 6 mois. 6 mois. 10 mois. Depuis 10 mois. Oui, tu saignais depuis 10 mois. Oui. Non-stop. J'ai prié. Oui. Le saignement s'est arrêté. Oui. Et le même mois, tu es tombé enceinte. Oui. Depuis 1 an. Oui. Et tu es enceinte de combien de mois maintenant? 2 mois. De 2 mois. Oui. Et c'est comme ça que tu acclames Jésus de Nazareth. Aide-moi à acclamer le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Oto, oto. Oto, oto. Je suis venue rendre grâce à Dieu, notre Père Apôtre Charles Pasot. En fait, c'est l'année passée que ma soeur devait composer le baccalauréat. Je l'ai envoyé Bic prophétique. Elle a refusé qu'elle ne veut pas, qu'elle n'est pas dans autre chose. Elle a dit, alors vas-y. Elle a échoué. Mais cette année, j'ai encore envoyé sa photo pour ne pas prier dessus. Elle a été admise. Elle a échoué quand elle a refusé le Bic prophétique. Cette année, elle a prié, elle a réussi. Est-ce que tu ne peux pas acclamer ce Jésus que nous servons? Oto, 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 oto. Lors de la croisade de Lomé, je n'avais pas demandé la permission. Je suis allée pour l'évangélisation. Lundi à jeudi. Jeudi, mes collègues m'ont saboté et mon chef m'a appelé qu'il me cherche au service. Le vendredi matin, avant d'aller, j'ai pris l'eau des partenaires et lui l'oto, oto. En allant à l'évangélisation, j'étais tombée, j'ai eu une plaie. J'ai passé là-bas et j'ai dit, si c'est pour sauver les âmes, et les gens me sabotent, que la plaie là me défende au service. Le lendemain, quand je suis allée, mon chef a vu la plaie. Il me dit de partir jusqu'au jour où je serai guérie. Jusqu'au jour où tu seras guérie. Et je suis venue rester à la maison jusqu'à mercredi avant d'aller au service. Et il m'a demandé si je suis sûre que je peux travailler. J'ai dit oui. Et j'ai commencé le boulot. Est-ce que tu ne peux pas acclamer Jésus de Nazareth? Acclame Jésus. Dis à ton voisin, Jésus ne honnit pas les gens. Jésus ne ment pas. Et Jésus va te surprendre au nom de Jésus-Christ. Amen. Oto, oto. Oto, oto. Il ne faut pas nous mauder à son jour ou à nos fiers. Il ne faut pas nous papa comme maman comme nous. À son jour, il est tout clôti. Ma ou à son jour, le 6 février, mais le poids, allons-y, Zéa, Zéa. Mais le papa Kaï, le meilleur, Edo, Benele, à son lèvre, pour avoir touché le clan. D'un toucher le clan, pour un bloc, pipi, pipi, si à la chemin. Bon, si on les bras, pipi, 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 pipi. Ma ou quoi? Alors. Acclame Jésus, bien-aimé. Bien, 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 bien. Papa. La dame si témoigne que depuis février, elle avait des douleurs au bras. Elle ne pouvait pas soulever son bras et c'était vraiment pénible. À la croisade de Lomé, elle suivait la croisade à la télévision. Et quand vous étiez en train de lancer l'onction de guérison, elle a touché l'écran, elle a dit « Je reçois ». En même temps, elle a reçu l'onction et depuis ce jour, elle peut soulever le bras, papa. Elle a reçu l'onction. Le courant l'a saisi. Le courant l'a saisi, papa. Yes. Et le bras était guéri instantanément. Oui, papa. Merci Dieu qui agit puissamment dans ce ministère. Ok, j'avais un pénis dans mon ventre depuis, ça fait 1 an dépassé. Oh, t'as dit, donne ça pour elle. Tu avais un kyste dans ton ventre. Oui, et papa est venu chez nous au Togo, il a prié, il a dit que le kyste va devenir bébé. Effectivement, j'ai allé faire échographier, le kyste est devenu bébé. Hey, olé, olé, Oh, yeah, 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 oh, yeah
Amen. Daddy, elle est arrivée à la croisade de Lomé, vous avez dit, elle avait cette échographie qui atteste qu'elle avait son. Alléluia. J'ai bien compris. Alléluia. Tu avais le kyste dans le ventre. Tu es venu à Lomé. J'ai prié. J'ai dit que je change ton fibrone en bébé. Et je t'ai dit, va refaire l'échographie. Où est l'échographie du fibrone? Voici ce qui montrait qu'elle avait le fibrone. Oui, papa. J'ai prié. Elle est repartie à l'hôpital. Maintenant, elle repart à l'hôpital. On ne voit plus le fibrone. Le fibrone est devenu un bébé. Un bébé de 12 semaines, un jour. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Huissier, tu n'es pas huissier. Tu as une grossesse. On a vu une grossesse de combien de mois? 2 semaines, 1 jour. 1 semaine, 1 jour. 12 semaines. 12 semaines. Oui, papa. Donc la taille du fibrone est devenue la taille du bébé. Oui, papa. Hey! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. On n'a plus de temps, mais je vais faire ça rapidement. Le miracle, ce n'est pas avoir une voiture. Le miracle, ce n'est pas construire une maison. Il y a les gens qui font ça sans besoin, sans que Dieu ne fasse un miracle pour eux. Dieu peut t'accorder cette faveur. Le miracle, c'est que ce genre de choses. Le miracle. Voilà ce qu'on appelle le miracle. Quand tu pries, le pied de quelqu'un pousse. Quand tu pries, le fibrone disparaît. Quand tu pries un soin en temps. Quand tu pries un aveugle voit. Quand tu pries une femme de 60 ans qu'on soit. Voilà ce qu'on appelle le miracle. Je rends grâce à Dieu. Quand il nous bénit avec les maisons, les voitures, je suis content. Mais moi, je n'appelle pas ça un miracle. Parce que les non-croyants ont ça sans prière. Alléluia. Les non-croyants ont ça sans prière. Mais quand on dit que Dieu fait les miracles, je croyais que tu devais acclamer pour ce miracle. Aide-moi. Acclamez Dieu pour mes bébés miracles. Acclame Jésus. Je te donne les jumeaux. Acclame Jésus de Nazareth. Ah, c'est permanent. Bien-aimé, où est ta tête? Lève ta tête et 2 bouteilles d'huile. Tout le monde a pris 2 bouteilles d'huile, non? Tout le monde doit avoir 2 bouteilles d'huile. Parce qu'on va travailler avec ça dimanche. On va programmer la terre en ta faveur dimanche. Écoute-moi, ce n'est pas le programme de familiarité. On va changer la destinée. Dimanche, on va programmer la terre. Je vais parler à la terre. Et on va programmer la terre en ta faveur. Amen. Lève tes 2 bouteilles d'huile et tu lèves ta terre. Je détache l'onction sur ces 2 bouteilles d'huile. Amen. Je détache l'onction sur ta terre. Et je commande que les programmations de terre commencent à être effacées cette nuit. Les programmations sataniques sur la terre de ton village soient effacées cette nuit. Que cette onction devienne, la bouteille d'huile devienne la main du Saint-Esprit. Amen. Comme tu reviens avec ça ici dimanche, je commande ta percée lundi matin. Lève ça. Pause.
Je vais travailler avec ça dimanche matin. Alléluia. Bien aimé, quand on veut programmer la terre, on programme la terre toujours. Parce que ceux qui ont parlé sur la terre avant toi, on parlait avec un sacrifice. Écoute-moi bien. Quand on veut parler avec la terre, on parle à la terre avec un sacrifice. Alléluia. Je vais prier sur ces enveloppes. On va vous distribuer ça. Dimanche, chacun fait un sacrifice. Il vient avec sa terre à l'église avec. Alléluia. Quand tu veux faire un sacrifice, fais un sacrifice qui est un vrai sacrifice. Il ne faut pas prendre l'argent des bonbons et que tu appelles ça sacrifice. Les gens ont sacrifié les êtres humains contre toi. Tu me suis dit? Les gens ont sacrifié des bœufs contre toi. Le sang de Jésus a barré ça. Mais il faut que toi, tu élèves aussi ton sacrifice. Hello. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Père, je bénis ces enveloppes. Et je déclare toute personne, même toi qui me regardes, qui a suivi ce programme, quand je vais parler et programmer la terre en ta faveur, rassure-toi de déposer un sacrifice sur l'autel de l'église. Alléluia. Tu peux déposer ça par le numéro qui défile à l'écran. Père, je commande que ce sacrifice remplace tout sacrifice qui a été érigé contre eux. Comme le sang de Jésus était leur voix, que ce sacrifice marque un nouveau commencement au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui veut faire un sacrifice, si tu n'as rien fait, fais au moins ces deux sacs de ciment qui est 10 000. Alléluia. Les huissiers, venez prendre ça, distribuer les ça. Je prophétise. Même toute personne ici qui n'a pas l'argent pour déposer ce sacrifice, un miracle mon y avant dimanche. Prenez un peu, Tchati. Tu prends tout ça pourquoi? Diminue, Tchati. Diminue ça. With the original God. Ah. Supernatural Baba. Undependable. Jehovah Most High, Naomi the original God, Saint Supernatural Baba, Jehovah Most High. Ah, José, si tu veux prendre de ma main, viens chercher. S'il y a des gens qui veulent prendre chez moi, venez chercher rapidement. Si tu n'as pas encore et que tu veux prendre, viens chercher. Lord, I praise you, my sacrifice of bread. Till I bless you, I shall beat you up. Lord, I praise my sacrifice of bread. Till I bless you, I shall beat you up. Say, supernatural, Baba. Lève ton enveloppe. Je prophétise. Par cette enveloppe, je transfère la visitation financière dans ta maison. Amen. Et dans tes activités. Après ce sacrifice, la terre va commencer à travailler en ta faveur. Au nom de Jésus. Garde ton enveloppe et acclame Jésus de Nazareth. Bien-aimé, écoute-moi. Demain matin à 6 heures, nous aurons la prière matinale ici. Et après 6 heures, on aura une heure d'enseignement. Je vais enseigner. Alléluia.
comment ne plus jamais retourner dans son village. Demain matin, j'ai une. Après, à 8h30, 9h, je vais recevoir tous les bâtisseurs et les piliers de Power TV au bureau. Tous les bâtisseurs et tous les piliers, je vais les recevoir au bureau demain matin à 8h, 9h. Donne-moi un amen. Le 16, le 14 au 16 prochain, Papa Otto Otto sera au Tchad pour une campagne d'évangélisation. Vendredi prochain, c'est-à-dire vendredi 14 et samedi 16. Alléluia. Et la semaine prochaine, Papa Otto Otto sera à Bante pour prier pour la ville de Bante et prier pour le Bénin. Alléluia. J'ai été invité à Bante pour prier pour la commune de Bante et prier pour les dirigeants de Bante et pour toute la nation. Et je croyais que tu allais acclamer Jésus. Donc, population de Bante, préparez-vous. Papa Otto Otto sera à Bante vendredi. Mais je serai ici dimanche pour le deuxième culte d'accélération. D'accélération. Et je croyais que tu allais acclamer Jésus. Donne-moi mes amen. Bien-aimé, écoutez-moi, en ce mois de novembre, le Seigneur m'a mis à cœur de susciter 2000 personnes, 2000 piliers qui vont devenir des milliardaires dans le ministère pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je suis en train de prier que Dieu me montre des gens que quand l'argent va venir dans leurs mains, ils ne vont pas prendre ça pour aller se détruire avec. Les gens qui peuvent avoir l'argent, être calmes et soutenir l'œuvre de Dieu et travailler dans le secret. Alléluia. Amen. Et la condition pour que tu fasses partie de ces 2000 personnes que je vais susciter dans le monde, c'est que tu sois pilier du ministère. Tu sois pilier du ministère. Si tu veux faire partie de ces 2000 personnes, va inscrire ton nom et on va faire la sélection au moment opportun. Mais en novembre, les 2000 personnes seront appelées. Et je vous donne, j'ai un an de travail avec vous. Après les un an, vous verrez ce que Dieu va faire ici en Afrique. Acclame Jésus que nous servons. Ton acclamation la manque de vitamines. Cette nuit, il y aura des rêves de délivrance, de libération, d'ouverture de prison. Il y aura tout genre de rêves que vous allez faire cette nuit. Et ta vie sera ouverte comme ça. Demain soir, nous avons la réunion des partenaires de Power TV. Je croyais qu'il y avait les partenaires de Power TV ici. Je vais poser ma main sur tous les partenaires demain soir. Alléluia. Tous les partenaires, je vais restaurer votre bénédiction demain soir. Et après, la réunion commence à 17h. De 17h à 19h, la réunion sera terminée. Et il y aura le culte continu de 19h à 20h30. Alléluia. Donc même demain, toute personne, après 19h, le culte commence. Alléluia. On a 1h30 de prière demain. 3 jours pour sortir définitivement du village. Dis à Yeyusa. Et dimanche, nous avons notre culte de accélération et de célébration pour sortir définitivement et briller. Dis à Yeyo. Balance la main si tu es béni ce soir. Si tu es ici pour ta première fois, ou bien tu es ici et tu dis aujourd'hui, je vais donner ma vie à Jésus. Je vais accepter Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Lève-toi, prends toutes tes affaires et viens ici, je vais prier pour toi. Si tu veux accepter, écoute-moi. On brille en acceptant Jésus. Et on est sauvé en se cachant en Jésus. Je vais prier pour tout cela. Lève-toi en courant. Si tu ne cours pas, ne viens pas. Si tu es ici pour la première fois, lève-toi en courant aussi. Si tu es ici, que tu veux devenir partenaire de Power TV et que tu n'es pas encore inscrit, mais tu veux être partenaire, viens aussi ici devant, je vais prier pour toi. Viens en courant, je vais prier pour toi. Si tu veux accepter mon Jésus, viens. Si tu es là pour la première fois, viens, on va t'accueillir. Acclame Jésus pendant qu'ils avancent. De suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Ça m'est retourné.
retourner, sans me 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 retourner. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi. Amen. Continue, acclamez pendant qu'ils avancent, acclamez pendant qu'ils avancent. Bien-aimé, ne regarde pas ton. Que personne ne parte sans prendre la prière pour des protections. Que personne ne parte sans prendre la prière de protection. Continue. Si tu veux donner ta vie à Jésus, viens. Si tu es là pour la première fois, viens. Viens aussi, je vais prier pour toi. Si tu veux devenir partenaire de Power TV et que tu n'es pas encore partenaire, viens aussi ici, je vais prier pour toi. Donne-moi un amen. Maintenant, sors ta bouteille d'huile au toto. Oins-toi avec. Oins-toi avec. Je prophétise. Avec cette onction d'huile sur ta tête. La bida balagada gada la bada. Et bada balaga digada à la brasi alaha et dagadaga douche. Et guida adagada li il alahanda. Avec cette onction d'huile sur ta tête, je commande tout ce que le village a volé restaurer. Toute porte de prison qui t'enchaînait, je commande la chaîne la briser. Par cette marque, j'ordonne une visitation angélique dans ton sommeil cette nuit. Tu vas rencontrer le Dieu de ce ministère et ta vie ne sera plus la même. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare cette porte de prison ouverte. Comme tu pars avec la grâce de Dieu. Tu pars avec la libération. Tu pars avec la délivrance. Au nom de Jésus. Je te dis à demain matin et à demain soir. Tu es béni et personne ne peut te maudire. Félicitations. Va, personne ne pourra plus t'enfermer dans une prison. Avancez ici. Jesus, oh. Jesus, oh. Jesus, oh. You've captured my heart. Oh, Bimo. Oh, Bimo. Oh, Bimo. Oh, Bimo. Oh, Bimo. Oh, Bimo. You've captured my heart. Elohim. Alléluia. Si tu es ici, pour la première fois, lève la main. Baisse la main. Si tu es ici, que tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main. Si tu veux accepter Jésus dans ta vie aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main. Baisse ta main. Si tu es ici, que tu veux devenir partenaire demain, lève la main. Si tu veux devenir partenaire demain, lève la main. Mets la main sur ta poitrine. Dis Seigneur Jésus, prie avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés et les péchés de mes parents. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce à adorer les fétiches. À partir d'aujourd'hui, je veux te connaître. Viens et apprends-moi à marcher avec toi. Au nom de Jésus. Mets la main sur ta tête. Père, je prie pour tous ces bien-aimés. À partir d'aujourd'hui, partout on avait écrit vos noms dans un livre de mort, je commande vos noms effacés au nom de Jésus-Christ. Je déclare à partir d'aujourd'hui que vos noms soient écrits dans le livre des vivants. Au nom puissant de Jésus. Je déclare toute addiction qui vous tenait et qui détruisait votre destinée, je commande l'addiction là terminée sur vous au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je déclare ce salut va vous amener jusqu'à